La chaîne Nesma a été traduite en justice pour diffamation et nous sommes là pour dire que c'est un procès d'opinion et que la liberté de penser, la liberté d'expression est quelque chose de sacré. Le groupe d'avocats qui défend Nesma n'a pas établi une vraie stratégie de défense. Aujourd'hui, on va renvoyer l'audience. Voilà. Par ailleurs, ce procès-là ne concerne pas Nesma. Il concerne la liberté d'expression en Tunisie. Et nous allons défendre à fond la liberté d'expression dans ce pays, voilà, qui aujourd'hui fait l'objet de vraies menaces par les intégristes. Les délais ont été déjà qualifiés, c'est-à-dire l'atteinte à la religion. Donc, et surtout bonnes mœurs, donc on va suivre cette ligne-là.